De bison. Tu as l'air très en colère. Les hommes ne veulent pas que je les accompagne à la chasse aux bisons. Peut-être parce que tu les gênes. Je suis meilleur tireur à l'arc que certains d'entre eux. Chasser n'est pas seulement tirer. Viens, je connais un bon endroit sur la colline d'où l'on pourra assister à la chasse en cachette. Allez, viens, graine de bison. Oh, attends-moi. Allez. À toi de tirer. C'est ça que tu appelles être un bon chasseur. Flèche de tout bois, tu n'as rien? Non, tout va bien, Yakari. Ne reste pas là, la chasse continue. Oui. J'ai peut-être été un peu dur avec graines de bison. Yakari a raison. C'est à cause de moi si le bison a chargé. Maintenant, tout le monde va se moquer de moi au campement. Ils diront que je suis un mauvais chasseur. Non, je vais quitter la tribu. Et je ne reviendrai que quand j'aurai attrapé une belle proie. Alors, ils seront tous obligés de reconnaître que je suis un grand chasseur. Je peux t'aider si tu veux. De bison. Graines de bison. Oh. Hé. Vide. Mère. Mère. Tu n'as pas vu graines de bison? Non, il n'a pas été au campement de toute la journée. Viens, le soir tombe. Graine de bison doit bouder dans un coin de la forêt. Demain matin, j'irai le retrouver. Il me pardonnera, c'est sûr. Hein? Qu'est-ce que c'est? Un lièvre? Mais qui a pu le tuer et le laisser sur place? C'est sûrement ce chasseur fou d'arc tendu. Il n'y a que lui pour tuer ainsi tout ce qui porte une fourrure blanche. Pourtant, si c'était le cas, il aurait emporté la fourrure de ce lièvre. Ou bien... On dirait une des plumes qui ornent l'arc de graines de bison. Mais un graine de bison n'a pas pu tuer pour rien. Ou alors, il a complètement perdu la tête.
graine de bison. Excuse-moi pour ce que je t'ai dit hier. J'ai eu tort, je... Oh, c'est bon, c'est pas grave. Tant mieux. Viens, on rentre au campement. Non, c'est bon, je t'ai dit. Hein? Laisse-moi, maintenant je chasse. Tu vas faire fuir le gibier. Attends, mais qu'est-ce qui te prend? Et ça, graine de bison? Tu reconnais cette plume? Depuis quand tu chasses les lièvres blancs? Je ne peux rien te dire. Laisse-moi maintenant, je dois y aller. Tu es furieux contre tout le monde. Ce n'est pas une raison pour t'en prendre à des animaux innocents, graine de bison. Attends-moi. Alors, tu as trouvé la piste d'un gibier, c'est bien. Oh non! Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce fou d'arc tendu? Si c'est comme ça, je ne peux plus être son ami. Après tout, tant pis, qu'il fasse ce qu'il veut. Grand Aigle? Tu abandonnes déjà, Yakari? Comment? Tu laisses ton ami aux mains d'arc tendu. Graine de bison est libre de choisir son chemin. Toi aussi, Yakari. Mais sache qu'en ce moment, Graine de bison court un grand danger. Tiens, viens voir là, toi. Approche. C'est quoi, ça? Une empreinte de loup. Bien. Ensuite? Ensuite, un loup et... un loup mâle, solitaire, adulte et d'un bon poids. Debout. Tu as des progrès à faire, petit, mais avec moi comme maître de chasse, tu deviendras un grand chasseur. Bien. Nous risquons de perdre sa trace. Ah, c'est incroyable. Tu ne remarques rien, petit? Le loup... est blanc! Regarde, c'est un loup blanc! Il me faut sa fourrure, c'est un trophée exceptionnel! Un loup blanc? Mais c'est un animal très rare! Il ne faut pas le tuer! Ah oui? Et pourquoi donc? Rock Tranquille dit qu'on peut prendre à la nature uniquement ce dont on a besoin pour vivre! Rock Tranquille n'est qu'un vieux ratoteur! Et toi, retourne pleurnicher au campement si tu as peur! Je le sens proche de nous. Graine de bison, viens. Alors, tu viens? Écoute, si tu chasses avec arc tendu, tu cours un grand danger, graine de bison. Arc tendu, je pars. Je rentre au campement. Je ne peux pas participer à la mort d'un loup blanc. Déjà, ce matin, ce lièvre, tu n'aurais pas dû le tuer. Quoi? Si tu avais été plus discret, j'aurais eu le temps de prendre sa fourrure. Alors maintenant, suis-moi, sinon car à toi. Non! Non! Attendu, lâche-moi! Ah! C'est toi qui voulais être chasseur. Oh. Ah! Ah! Tu es à moi, loup blanc. Il ne te voulait pas de mal. Que racontes-tu, petit homme qui parle la langue des animaux? Cette flèche aurait pu me tuer. C'est le grand chasseur qui l'a tiré. Mon ami Graine de Bison l'a fait dévier. C'est grâce à lui si tu es en vie. Bien, j'épargne ton ami. Mais le grand chasseur ne perd rien pour attendre.
Yakari, oh non, encore lui. Je ne sais pas ce qui m'a pris de suivre Arc Tendu. Ce n'est pas grave, graine de bison. Cela arrive à tout le monde de se tromper de chemin. Maudit Yakari, tu m'as fait manquer ma proie. C'est pas vrai, Yakari nous a sauvé la vie, à moi et à toi aussi. Tu devrais le remercier au lieu de le menacer. Ouf, rentrons, je dois trouver le courage de me présenter à la tribu. Tu n'as pas d'inquiétude à avoir. La tribu ne t'en veut pas pour ce que tu as fait. Tu crois ? Je présente mes excuses à la tribu. Je n'aurais jamais dû tirer cette flèche sur le bison. C'est oublié, graine de bison. Plus que l'habileté au tir, c'est la connaissance et le respect des animaux qui fait la compétence d'un chasseur. Tu as empêché Arc Tendu de tuer un animal très rare, et en cela, graine de bison, tu t'es montré un grand chasseur. Hein ? Quoi ? D'ailleurs, j'aimerais que tu viennes m'aider à chasser en forêt demain à l'aube. Moi ? T'aider ? D'accord. Je vais chasser comme un vrai chasseur, et cette fois, je serai le meilleur. Il faut bien des lunes pour qu'un jeune chiot fou devienne un vieux chien sage.